Alice ? Mais bien sûr, c'est un plaisir de la revoir. On me dit qu'elle est devenue une immense vedette en Angleterre. Pendant 30 ans, j'ai réussi à l'éviter et je m'en porte très bien. Il paraît que c'est elle qui doit vous remettre le prix d'honneur à la cérémonie de samedi soir. Quoi, Alice d'Abanville ? Vraiment ? Alice, t'es superbe. Tu n'as pratiquement pas changé. J'aimerais pouvoir te retourner le compliment. Oh, la tombe ! Je voulais surtout pas que tu t'imagines que je fais ça en souvenir de notre petite romance. Mais je t'en foutrais, moi, des petites romances. On m'a souvent demandé pourquoi j'ai renoncé au cinéma après avoir travaillé avec toi. Disons que la réponse est dans la question. J'étais sous maître Roussel, elle était mon actrice, c'est moi qui l'ai faite. Tu vas enfin te décider à me foutre la paix. Si j'avais pas été là, il n'y aurait pas d'Alice d'Abanville. Et c'est ça qui l'énerve. Il faut surtout éviter tout contact avec lui, sinon on risque une totale. Oh bon sang. Oh, elle est magnifique. magnifique, elle vient quand même de vous démolir devant 400 personnes. Et pourquoi croyez-vous qu'une femme se donne autant de mal pour emmerder un homme? En jugé par la manière dont tu réagis à tout cela, je dirais que toi aussi, tu l'aimes toujours. Là, tu dis n'importe quoi. Oh, un rayon de soleil dans la campagne anglaise. Toujours. Alice, est-ce que tu aurais l'obligeance de bien vouloir me passer le sel, s'il te plaît? Bah, tu vois, on aura au moins échappé à ça. 30 ans de passe-moi le sel. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui, des paumes, et c'est l'amour. Oui, je veux que tu me dises la raison pour laquelle tu es parti. On s'en fout, on est vieux maintenant. Parle pour toi. Chant de love in bloom, au rythme de ce boom, qui redit boom à l'oreille.